Elles sont des femmes leaders écologistes. Ces femmes sont très actives dans l'EPAI pour le changement. C'est un concept qui permet aux femmes rurales de cotiser entre elles de l'argent pour s'octroyer de microcrédits afin d'entreprendre pour leur autonomisation. En retour, elles œuvrent pour la protection de la nature. 22 au total venues des organisations non gouvernementales, Coopérative Chilo, Nature Tropical ONG, Grab Bénin et ODDB, ces femmes leaders communautaires participent à un atelier de formation. Il est axé sur la foresterie analogue et le plaidoyer lobbying. L'objectif, selon Nature Tropical ONG, organisatrice de cet atelier, est de renforcer les capacités de ces femmes rurales pour leur implication dans la sauvegarde de la biodiversité, la gestion et l'utilisation durable des ressources des zones humides, mais aussi de mieux défendre leur droit d'accès à la terre et à l'eau potable. Femmes leaders, femmes d'action, rendez-vous au sommet. Directeur de Nature Tropical ONG, Josea Dosubodrenou a dit à l'ouverture de l'atelier son espoir quant aux résultats positifs qui seront issus de cette rencontre de formation pour la régénérescence des forêts. Dans nos communautés, on plante très peu d'arbres, on détruit beaucoup les forêts, mais on ne connaît pas bien l'importance de ces ressources pour nous et pour les communautés. Et là, il y a certains constats qui sont faits encore, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives de reboisement qui se font à travers nos zones, nos forêts et à l'intérieur de ces forêts. Et le constat, c'est quoi? C'est qu'on va chercher n'importe quel arbre en bien. Après les bénédictions d'usage, le 18e roi des Wimé a rappelé aux participantes l'importance de la forêt pour l'homme. Ne peux pas garder pour le globe, mais des bleus pour un petit homme. Il y a des gens qui ont été bien. Ils 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 ont été bien. Mais mon gars, il m'a fait mal. Marc Gandonou est le maire par intérim de la commune des Agégué. C'est à lui qu'est échue la responsabilité de procéder à l'ouverture officielle de la formation. Il s'est donc adressé aux participantes en langue nationale. Le maire intérimaire des Agégué a salué l'engagement du 18e roi des Wimé pour la protection de la nature. Il a ensuite invité les participantes à mieux assimiler les enseignements pour la restauration des forêts au Bénin. Six communications et débats ont meublé cet atelier de formation assuré par M. Perry du Cameroun. Pour le formateur, toute superficie est utile pour démarrer une foresterie analogue. La formation est théorique mais aussi très pratique. Pour les travaux de terrain, Nature Tropical ONG a choisi cette forêt sacrée de Bamezou. Ici, quelques démonstrations sont faites aux participantes. Ensemble, on a parlé d'une évaluation écologique, n'est-ce pas? Et on dit que la première couche du sol, les premiers 20 centimes, et normalement, on doit creuser jusqu'aux 20 centimes, au plus même, pour avoir les différents horizons. Les scientifiques creusent même plus que ça, n'est-ce pas? Pour avoir les couches du sol. Bon, maintenant, pour cet exercice, on va seulement arrêter là-bas. Et maintenant, c'est les couches comme ça, à partir d'ici jusqu'au là-bas, au plus profond. Hein, c'est les premiers 20 cm, n'est-ce pas? C'est ça qui nous intéresse. Tu vois déjà les racines. C'est les racines ici qui donnent la nourriture. C'est une interaction avec tous les organismes qui sont dans le sol, qui nourrissent les plantes. Et c'est ça qui est intéressant, qui est important pour nous. Quand on va faire une évaluation du sol, le but, c'est pour avoir une idée de la qualité du sol.
hein, la qualité du sol, la texture. Donc quand on prend le sol, un sol comme ça, et on fait avec les mains comme ça, et ça reste, ça ne peut pas disperser, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a souvent, il y a l'eau dedans, n'est-ce pas? Il y a l'eau dedans. Et ça veut donc dire que, vous voyez la couleur? La couleur est noire. La couleur est noire. Ça montre que la terre est tellement riche. Hein? Donc c'est comme ça qu'on peut faire souvent pour évaluer la qualité du sol. Elles se disent très contentes et s'engagent à plus d'efforts pour la régénérescence des forêts. Femme leader, femme d'action, femme leader, femme d'action, rendez-vous au sommet, rendez-vous au sommet. On finit de grandir, mais on ne finit pas d'apprendre. La Nature Tropicale a essayé de mettre nos idées sur la foresterie analogue. Ce qui suffit tout simplement de ne pas détruire l'existant, au contraire de renchérir l'existant pour que ça soit utile à nous tous. Donc je pense que c'est une bonne initiative. On a gagné pas mal de choses. Comme vous le constatez, nous sommes dans la forêt de Bamezoum. Bon. On a vu ce que la population a fait, ce que la nature aussi a fait. Donc c'est bon de préserver. Si ce n'était pas préservé, je pense qu'on n'aurait pas la chance d'être ici comme visiteur. On a vu toutes les formules d'une foresterie et analogue complet. Ça consiste en quelque sorte de gros arbres, des arbres géants et des moins gros, de taille par taille et d'autres verdures. Donc je peux vous dire que c'est une forêt complète. Les participantes ont élaboré un plan d'action qui priorise les actions de lobbying et de plaidoyer sur la souveraineté alimentaire, l'accès à la terre ainsi que le droit à l'eau potable, la restauration des terres, la conservation des forêts, de même que la lutte contre l'utilisation des herbicides dans les vallées. Cet atelier de formation a duré 4 jours. Il a eu pour cadre le siège annexe de Nature Tropicale ONG à Rosy, dans la commune de Dangbo. Il est rendu possible grâce à l'appui technique et financier de l'Alliance mondiale pour le genre et l'Action verte, GAGA.